Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 2 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir recruté Tan, donc l'assassin qui se trouve juste ici. Et donc là, dans cette vidéo, nous allons donc partir à la recherche de la probatrice, donc Samara, la Sari. Et donc, on va tout de suite commencer. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Et donc, c'est parti! Après avoir changé mon arme. C'est bon. J'espère que le son est bon, que tout va bien. Où comptez-vous aller comme ça? J'emmène mes marchandises sur Omega, inspectrice. Sûrement pas. Tant que j'aurai pas élucidé ce meurtre, vous restez ici. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Allez plutôt vous en prendre à cette racaille mercenaire, là. C'est eux qui ont fait le coup. La victime était votre partenaire commercial. Vous faites donc partie des suspects. Quand vous pourrez quitter la planète, vous en serez averti. Et cette probatrice qui vient d'arriver? Tout le monde dit qu'elle risque de faire un massacre. Je ne veux pas moisir ici. Elle ne tue que les injustes. Autrement dit, vous n'avez rien à craindre, Pete Nefor. Si vous avez besoin de moi, je suis au poste. Ok, d'accord. Donc je fais une petite analyse pour voir si le son est bon et je reviens. Me revoici, donc le son est bon de mon côté, on va pouvoir y aller. Alors, on n'a aucune information ici pour le moment, non. Qu'est-ce que vous voulez? Et pour couronner le tout, il y a cette probatrice Asari qui est arrivée ce matin et qui a l'air de terrifier tous les gens du coin. Il faut que je... Est-ce que Samara est passée à l'action? D'après la Asari, les probatrices sont des combattantes hors pair. Il suffit qu'elle... Et vous voulez que je vous dise, la corruption, je sais où elle est. Dites-moi comment trouver la probatrice. Elle est dans la ruelle où mon partenaire... Une inspectrice a mis la zone sous scellé. Allez la voir si vous voulez y accéder. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était des mercenaires? La nuit dernière, Dakhnécourt a voulu couper par les ruelles et on l'a tué d'un coup de fusil. J'ai vu son corps ce matin. Ils ont utilisé des balles modifiées. Il n'y a que les mercenaires. Vous devez avoir des infos sur ce groupe. Ça m'arrive de faire affaire avec eux, mais uniquement avec des gardes et beaucoup de lumière. Ces gars-là sont des pourris. Ils vendent du sable rouge, tout un tas de trucs illégaux. Et ils tuent sans... Qu'est-ce qui aurait pu pousser ces mercenaires à... Qu'est-ce que j'en sais? On est marchands. La mort de votre partenaire n'a pas l'air... Dakhnécourt, con... En ce moment, il ne fait pas bon. Je dois y aller. D'accord. Un meurtre. Très bizarre. Quand j'étais jeune, je voulais devenir probatrice. Comme toutes les Asari, sans doute. Inspectrice Anaya est par là-bas. Non, au niveau des armes, ça va. Belles armes. Tâchez de ne pas vous en servir dans mon quartier. Je cherche une guerrière Asari. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. Je veux recruter Samara pour une mission. Les probatrices opèrent généralement seules, mais les causes perdues les attirent. Alors elle va aimer la nôtre. Si vous voulez lui faire quitter mon quartier, je vous emmène la voir dès que possible. Elle est sur les lieux du crime. Vous laissez pénétrer une civile sur... Je suis policière. Je ne demande qu'à coopérer avec les probatrices. Et puis elle enquête sur les crimes depuis plus longtemps. Elle sait se protéger. On dirait que vous tenez beaucoup à ce que... Mes supérieurs veulent la placer en détention. Ils craignent qu'elle ne... Mais son code de probation lui impose de refuser l'arrestation. Si j'essaie, elle devra me tuer. Bref, si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir, je me ferai un plaisir de vous aider. Vos supérieurs vous envoient à la mort sans raison valable. Vous êtes... Qu'on s'en souvienne la prochaine fois que Shepard nous enverra au casse-pipe. Soit environ deux fois par jour. La plupart du temps, j'ai une décision raisonnable. Je ne peux pas en dire autant des supérieurs d'Anaya. Je suis policière, je connais mon devoir. On m'a ordonné de la détenir et je le ferai, sauf si j'arrive à lui faire quitter mon quartier. Samara, tu es un flic? Elle est prête à mourir pour défendre un policier honnête, comme pour attaquer. J'admire son dévouement, mais sa présence n'en est pas moins problématique. Oups, désolé pour le micro. Comment je me rends sur les lieux? C'est au coin de la rue. Sortez, prenez à gauche et cherchez la banderole policière. Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires d'Eclipse écument ces ruelles. Vous avez parlé des lieux d'un... Je penche pour Eclipse, un gang... Faites-moi un topo sur ces... Les mercenaires d'Eclipse, ils contrôlent une partie des ruelles du quartier. Cela dit, je n'ai pas encore réussi à trouver leur planque.
Vous pouvez me faire un topo sur les probatrices? Ce sont, comment dire, des non-guerrières, si vous voulez. Elles vivent selon un code complexe. Elles font partie de la culture Asari depuis des millénaires. Quand j'étais enfant, je lisais des romans d'aventure à leur sujet. Samara elle-même... Elle est probatrice depuis plus longtemps que trois de vos vies. Celle qu'elle était avant de prêter ce serment n'est plus. Samara a l'air de... Les Asari et les probatrices ne quittent jamais. Je dois y aller. Ok, merci pour ces informations, Alaya. On ferait bien de loger cette Samara. Il ne reste plus que deux personnes à recruter pour le moment. Ce Volus a un air qui ne m'inspire pas confiance. Passe, hein, d'accord. Anaya nous a dit de vous laisser passer. Faites attention, les mercenaires sévissent. Nous, on attend des renforts. Ok. Alors... Où es-tu, ma chère? Que le reste de l'escouade Bravo se tienne préparé. Alpha est allé sous... Ils ont gagné un. On active les balles. Rien par là. On passe la porte. C'était mes meilleurs soldats. Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir, et je m'en irai. Où est-ce que vous l'avez envoyé ? Vous croyez que je vais la trahir? Vous n'avez pas idée des souffrances qu'elle m'infligerait. Quel était le nom du vaisseau? Votre survie ne tient qu'à votre réponse, lieutenant. Vous pouvez me tuer, mais l'un de nous finira par avoir votre peau, probatrice. Allez au diable. Comment s'appelait le vaisseau sur lequel elle a embarqué? Puisse la déesse vous accorder la paix. Mon nom est Samara, servante du code de probation. Ce sont les sœurs d'Eclipse qui encourent mes foudres, mais je vois trois individus bien armés devant moi. Sont-ils amis ou ennemis? Cette mercenaire était blessée, sans défense. Si ma cause le requiert, oui. Agissez-vous donc différemment? Il m'est arrivé de tuer, mais toujours avec de bonnes raisons. Je suis régi par un code clairement défini. Si mes actions respectent ce code, je suis juste. Sinon, je suis injuste. Certains s'en offusqueront, d'autres trouveront ce credo simpliste. Mais contrairement à beaucoup, je dors toujours sur mes deux oreilles. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de votre aide pour m'aider à vaincre les récolteurs. Les récolteurs sont un ennemi de taille que j'aimerais beaucoup affronter. Mais je suis à la poursuite d'une fugitive extrêmement dangereuse. Je l'ai acculée ici, mais les sœurs d'Eclipse l'ont aidée à quitter cette planète. Je dois trouver le nom du vaisseau qu'elle a emprunté avant de perdre sa trace. Je préférerais que vous acceptiez de suivre cette humaine, probatrice. Dans le cas contraire, j'ai reçu l'ordre de vous appréhender. Vous risquez beaucoup à suivre vos ordres, inspectrice. Fort heureusement, je m'abstiendrai de résister. Mon code m'oblige à coopérer avec vous une journée durant. Ensuite de quoi je serai tenu de reprendre mon enquête. Je ne pourrai pas vous libérer aussi vite. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Vous m'excuserez d'être humaine, mais j'ai du mal à suivre. Vous pouvez m'expliquer? Je voulais la convaincre de vous suivre, mais les probatrices et leur code... L'inspectrice a reçu l'ordre de me placer en détention. Je ne peux pas la contraindre à désobéir. Et le jour suivant, Samara tue tous ceux qui veulent l'empêcher de se faire la belle? Je le crains. Il doit bien y avoir un moyen de contenter tout le monde. J'entrevois une issue. Pendant ma détention,
Trouvez le nom de ce vaisseau. Si vous y parvenez, je vous rejoindrai. Alors le code aura été respecté. Vous pouvez me parler des probatrices ? Nous avons abjuré famille, enfants et possessions matérielles, hormis quelques armes et une armure. Nous sillonnons l'espace à Sari pour redresser les torts selon l'ancien code que nous avons toutes mémorisé. Ilium est ta dominante à Sari, d'accord. Mais ce n'est pas dans l'espace à Sari. Ma proie s'est réfugiée ici. J'ai prêté serment de la traquer. Aussi la suivrai-je partout où elle va. Il est rare qu'une probatrice quitte l'espace à Sari. Mais ainsi le veut mon serment. Si je dois en pâtir, alors soit. Il y a un instant, vous refusiez d'abandonner votre enquête. Et maintenant, vous voilà prête à me suivre. Si je reste ici, il me faudra tuer bien des innocents pour échapper à l'incarcération. Moi, par exemple. Je risque d'y trouver la mort, auquel cas ma proie sera libre de continuer ses meurtres. Mais si je survis à votre mission, je pourrai reprendre mon enquête. Pour ce faire, il me faut le nom du vaisseau afin de connaître ses armes. Mieux vaut une faible chance qu'aucune chance. Le code de probation a l'air très strict. Je comprends votre impression, mais tel est mon serment. Vous avez des pistes ? Pitnefor, le marchand, arrachez-lui la vérité. Il sait peut-être. Ok. Parlons donc à Pitnefor. Rebonjour, être humain. Vous êtes allé voir la détective ? Vous avez dit ne rien savoir sur ce qui s'est passé. Comment ça, être humain ? J'essaie juste d'exporter mes marchandises. Eclipse en a après vous et j'ai besoin de votre aide pour infiltrer leur base. Nos objectifs. Merci encore, être humain. J'ai fait entrer en fraude sur Ilium un agent chimique qui amplifie les pouvoirs biotiques au compte. Il est possible que j'aie... oublié de le préciser à Eclipse. Ils s'estiment donc lésés et veulent me tuer. Parlez-moi de cet agent chimique. C'est un produit très... illégal, qui augmente... La puissance gagnée est directement proportionnelle à... Et bien sûr, ce en sont... En bref, vous êtes un escroc qui... Je peux pas dire le contraire. Mais vous voulez quelque chose, être humain ? Le marchand que je suis a l'œil pour Eclipse ce genre de... Eclipse a récemment fait quitter la planète. Et je ne suis pas au courant. Prenez-le. Ok. Ah, c'est pour accéder à l'ascenseur, je pense. Quand j'étais jeune, je voulais devenir probatrice. Comme toutes les Asari, sans doute. Allez, on y va. On va capturer, enfin, affronter la base de cette éclipse. Ennemi droit devant. Engagé. Ah ! Ce n'est plus la cible en visuel. Oh merde. Oups. Oula, c'est quoi cette sensibilité là ? Voilà, c'est bien. Allez, remontre-toi. Je vais tous vous détruire. Je vais te réduire en miettes.
Ouais, donc c'est le niveau toxicité. Qu'est-ce que c'est ces activités? Mais non, elle se contente de... Ça signifie des... Aucune idée, ça s'est passé il y a plusieurs jours. Fiche le camp, Elnora. Oui, chef, d'accord. Intéressant. Nice. Allez, c'est super. On s'est fait repérer. Voilà. Je pense pas que je reprendrai de nouveau le sniper hein, pour le prochain. C'est toujours le même système, toujours peu, aussi peu de munitions. Après c'est fort mais... savoir viser quoi. On va changer d'arme vite fait. On passe par là, d'accord. Combien de missions? 6, toujours passé. Pendant ce temps-là, on continue à monter. Ah, là, il relève. Je n'ai plus la cible en visuel. J'ai perdu la cible de vue. Je n'ai plus la cible en visuel. Je vais tous vous tuer. On va devoir se fight contre un aéronef. Ça doit être marrant ça. Loupé. Couché. Ah,
Ils sont droit devant. C'est bruit quoi. Une audition, 9, on peut repasser. Ok. C'était la tueuse, la pauvre. Enfin, le pauvre. Hein. Arrêt du mode veille. Non, je ne me soumettrai pas. Parce que je ne suis pas un soumis. Mes boucliers sont neutralisés. What? Vous allez calmer, non? Allez, cinématique dans peu de temps, ça je sens. Ah, ah non, pas cinématique, pire que ça. On va juste utiliser la pyromancie, je pense. Je vais tous vous tuer. Ok. C'est une mission qui traîne un peu partout. Je crois que c'est par là en plus. Pas sûr. Ça m'a l'air d'être là. J'étais mortel, je travaillais pour Pitney. Il a rien dit là-dessus, histoire de pas moisir. J'ai la nette impression que Pitney Fort. Bah, j'exercerai mon courroux sur son peuple. Je vais faire de 15 crédits que la demi-portion fait pas 5 pas avant de se faire. Je vais la réduire en morceaux. Nul ne peut s'opposer à mes pouvoirs. C'est Wasea qui va vous tailler en pièces. Vous plaisantez? Personne ne peut m'arrêter. Pour parachever mon ascension vers le divin, je vais me revêtre. Mais, grand ouragan, dieu biotique, je suis... qu'est-ce que je racontais? Je suis... fatigué. Vous avez raison. Oui, je suis fatigué.
Je vais faire un somme. La destruction de l'univers peut attendre. Il ne mérite pas de vivre. C'est pas de nous décider ça, par contre. S'il peut pas vivre, c'est pas à nous. Enfin, s'il ne doit pas vivre, pardon. Ouais. Ok. Là. Les temples Maros. Ok, plus personne. Le manifeste de ce navire doit se trouver quelque part ici. Ça doit être le vaisseau. Doit-on retourner au poste de police, lui donner le nom ou passer d'abord là ? On a le temps, on va continuer. Il y a l'air de rien avoir d'autre en fait. J'aurais dû noter on part. Bon. Allons-y. Peut-être que juste en passant la porte ça va nous TP. Je sais pas. Ouais, c'est ça. On retourne dans le hall principal du spatioport. Allons-y. Ok. Quand j'étais jeune, je voulais devenir probatrice. Merci, merci. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait avaler. Mais j'ai bien cru. Enfin, vous savez. Merci, je sais pas. On parle là à Samara. Le nom du vaisseau. Votre fugitive est partie d'ici. Je parle. Vous m'impressionnez. Je suis prête à partir immédiatement, s'il plaît à vos supérieurs, inspecteurs. Vous êtes libre, probatrice. Ce fut un honneur de vous accueillir, et un soulagement d'en sortir vivante. Eclipse a organisé la fuite du Nardat Yakshi. Décidément, vous m'impressionnez. Oui, je traquais l'Ardat Yakshi. C'est une danger, une fois votre mission terminée, bien sûr. Vous suivez un code. Vous craignez que je refuse d'obéir. Je ne peux pas courir ce risque. En convenant de vous suivre... Il me faut prêter le serment le plus contraignant. Cela fait, les ordres auront préséance sur le code. Sachez toutefois que je vous ferai toujours part de mon opinion si la situation... Le Normandie est stationné près du niveau... Je vais prêter serment de vous servir de façon à ne jamais devoir choisir. Par le code, je vous servirai, Shepard. Vos choix seront mes choix. Je n'aurais jamais cru voir une probatrice. Si vous me forcez à commettre un acte très déshonorant, il me faudra peut-être vous mettre à mort une fois libéré de mon serment. Je comprends la portée de votre... En vérité, la vie d'une probatrice est faite de solitude. Force m'est d'admettre que je voulais vous retourner à votre vaisseau. Il faut que je discute avec l'inspectrice. Merci de m'avoir débarrassé de Samara. Je pourrais dire à mes petites filles que j'ai rencontré une probatrice. Voyons ce que vous avez là. Intéressant, mais je ne peux pas le vérifier. Je me porte garante de Shepard et de toute preuve qu'elle... Je m'en remets au jugement de la probatrice. Merci, Shepard. J'avais des scrupules à faire confiance à une étrangère, une humaine. C'est dommage que cette Elnora se soit échappée, mais je l'aurai. Au moins, vous l'avez mise en... Bon, cela étant dit, je dois vous laisser. Le crime... Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Nice, on a la probatrice. Si vous êtes prête à partir, voulez-vous retourner à votre vaisseau ? Continuons comme d'abord. Comme vous voudrez. D'accord. On va retourner au vaisseau. Si vous êtes prête, voulez-vous retourner à votre vaisseau ? Allons-y. Nice. Bienvenue à bord du Normandie, Samara. Vous êtes une recrue de choix. Merci. C'est très flatteur. Surtout venant d'une organisation comme la vôtre. Les pouvoirs de Samara... Nous ignorons encore la vérité. Je suis prête à affronter n'importe quelle... Si c'est possible...
J'aimerais avoir une vue sur vous. Vous n'avez qu'à vous installer dans la salle d'observation sur le pont 3. Parfait. Mais... Alors, la salle d'observation sur le pont 3. On va aller la voir et ensuite on arrêtera là cette vidéo. On va quand même essayer de parler un peu aux autres. Parlons un peu. Vous m'impressionnez. Ne lâchez rien. Je vous ai dans la peau. Je passais juste ça, c'est pas grave. Alors, Mardi n'a rien à nous dire, on va regarder les améliorations qu'il y a. Pistolet lourd. Faire les recherches. Dernière, je peux pas encore. Biotique. Niveau des prototypes, toujours rien. D'accord. Est-ce que Kali a un message ? Il n'y a rien de plus. C'est un vrai ravissement pour les yeux. Il y a quelque chose. Rien. Autre chose, comment ça se si vous avez besoin de. L'homme trouble veut vous parler dans la salle de débriefing, commandant. L'homme trouble veut me parler, d'accord. La salle de débriefing, c'est à cet étage, j'irai après. D'abord, parler à Samara. J'ai passé le plus clair des 4 derniers siècles en solitaire. J'ai dû perdre la main. Si vous êtes patiente, je ne demande qu'à parler. Que savez-vous de notre mission ? Ce que je sais, c'est que je vous ai prêté serment et que vous avez juré la perte des récolteurs. Vous ne voulez pas savoir pourquoi. À vivre selon un code qui vous oblige aux recours les plus extrêmes. Si je dois éliminer un homme pour ses méfaits, ai-je vraiment besoin ? Je voudrais en savoir plus sur la criminelle que vous traquiez sur... Vous diriez qu'il s'agit d'une question personnelle. Je dois savoir si ça affectera notre... En aucun cas. Que saviez-vous de Cerberus ? Des rumeurs ou plus. Mais voilà longtemps que j'ai appris à me forger mes propres opinions. Pourquoi accepter de travailler Je travaille pour vous, Shepard. Nos méthodes diffèrent peut-être. Je ferai mieux de Ce fut même. Un plaisir, commandant. Ok. Donc on remonte au deuxième et on veut parler à l'homme trouble. Puis on arrêtera là cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous recruterons notre dernière personne. Hein, notre dernière personne qui était dans le 1. Que vous ferez. Je vous passe l'homme trouble, commandant. Les Turiens ont été anéantis, non sans avoir neutralisé le vaisseau récolteur. J'ai besoin de vous pour aborder ce vaisseau et en extraire des données sur les récolteurs. Trouvez le moyen d'accéder. J'ai du mal à croire qu'une patrouille turienne soit venue à bout d'un vaisseau récolteur. D'après nos rapports, la coque est un. Les réparations sont peut-être déjà en cours. Je ne prétends pas que ce sera sans risque. Si leur patrouille est portée manquante, pourquoi ils finiront bien par réagir. Mais j'ai hâte. Vous aurez fait l'aller-retour avant que si leur patrouille est vous aurez fait l'aller-retour avant si leur patrouille vous aurez fait l'aller-retour vous êtes sûr que l'information l'information est mon arme, Shepard. Fiez-vous à moi. Envoyez les coordonnées, je m'en charge. Dès que vous serez à bord, établissez la liaison avec Idea. Bonne chance, Shepard. Ah, bah merde alors. Ok. Ok, ok. Vaisseau récolteur en visuel, commandant. Émission très basse. D'après ces signatures infrathermiques, la plupart des systèmes sont hors ligne. Les moteurs sont inactifs. Ce truc est énorme. Comment les Turiens s'y sont pris pour descendre ? Le LADAR ne détecte aucune brèche sur le flanc ouvert. Je ne relève aucune distorsion gravitationnelle. Le propulseur semble inactif.
Jonction dans 30 secondes, commandant. Bonne chance. Je n'ai jamais rien vu de comparable. On dirait une ruche géante. Les balayages radars ont décelé un point d'accès raccordé aux bases de données des récolteurs. Je reporte son emplacement sur votre ordinateur embarqué. Ok, eh bien nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. C'était de Stel, les prochaines images HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.